Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Je vois déjà dans les commentaires, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Bah, c'est très bien, c'est très très bien. Il faut bien, bien se nourrir, surtout en période de confinement. C'est assez compliqué, on a peur de perdre du poids, de prendre du poids. Enfin, on a plus quand même peur de prendre du poids, ce qui est normal parce qu'on fait beaucoup moins d'activité. Donc, il faut faire très attention à la balance calorique, hein, ce que l'on consomme et ce que l'on grille vraiment au quotidien. Hein. Donc, pour ça, bah, il n'y a pas 36 choses, hein, il faut faire du sport. Oui, parce qu'en fait, le muscle brûle de la calorie même pendant le sommeil. Et ça, c'est génial. Il n'y a pas de secret. Hein. Tu auras beau faire des séances de ouf, je veux courir, je veux courir, je veux courir. Oui, sauf qu'en courant, bah, forcément, tu t'assèches, je suis d'accord. Mais une fois que tu arrêtes de courir, tu reprends ton poids, voire beaucoup plus. Ce qui est tout à fait normal. Alors que si tu fais régulièrement un tout petit peu du renforcement musculaire, hein, sans devenir bodybuilder, en fait, ton muscle va consommer de la calorie, tu vas dormir. Tu consommes de la calorie, c'est quand même génial, quoi. Il n'y a pas, t'as pas d'effet yo-yo avec ton poids. Donc, c'est très bien. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais plus. Non, j'avais une idée en tête et puis... Appelez-moi Dory. Mais bon, voilà. Donc, ce matin, petite séance pilates sur les fondamentaux. Je vous ai préparé une petite séance sympathique. Prévoyez à côté de vous un petit coussin parce qu'il y aura position swimming, donc sur le ventre et sur les genoux. D'accord ? On va varier un petit peu dans les postures. Si vous avez mal aux genoux, faites attention, il y a toujours la possibilité de rester au sol. D'accord ? Je vous le redirai au moment du mouvement, mais pas de panique. Après, il est bon aussi de progresser, c'est-à-dire qu'on a mal un petit peu aux genoux, je suis d'accord, mais si vous ne faites rien pour vos genoux, ce sera toujours un problème. Donc, il est important de varier les exercices et de les solliciter aussi un petit peu. Bah oui, c'est comme le dos, ce matin c'était veille musculaire tout à l'heure, voilà, j'ai bien étiré les lombaires, hein. Si vous ne l'avez pas fait, c'est avec moi ce matin, vous pouvez le faire ce soir, par exemple, en fin de journée. C'est pas mal, ça va vous aider à évacuer toutes les tensions accumulées dans votre corps et dans les articulations, hein, surtout les psoas. Et au niveau lombaire aussi, d'accord? Parce que forcément, bah, les lombaires s'attirent, les psoas, ils se contractent. Puis vous êtes comme, j'ai mal au dos, étire-toi. Non, je vais avoir mal. Bah, voilà. Encore une parenthèse. Je sais, je sais. On y va? On se met en place? Tapis? Oui, il est là, mon tapis. Oscar? Oui, il est là, Oscar. Il fait que dormir. Mais je vous rassure, hein, j'ai 5 autres chats. J'ai Bijou, j'ai Nounours, j'ai Pampan, j'ai Tchoupi et j'ai Zouzout. Et Oscar. Voilà, Oscar. On y va? Placez-vous sur votre tapis, on va juste déverrouiller un petit peu la colonne vertébrale et après on va passer directement au sol, d'accord? Bien, le dos bien droit, vous placez pied, hein, t'as vu, hein? Ici, tu ouvres, hop, et voilà, tadam! Au revoir! Non, je rigole, je rigole. Tu déverrouilles les genoux, tu te grandis. Inspire profondément, expire. Restez. La respiration, elle se fait costale sur le latéral. Quand vous inspirez, les côtes s'ouvrent. Et quand vous expirez, les côtes se resserrent. Alors, ce n'est pas la poitrine qui va monter. Là, tu vois, c'est thoracique. Non, c'est vraiment sur les côtes flottantes. Tu inspires, les côtes vont s'écarter vers l'extérieur. Et en expirant, elles vont se resserrer. Alors, c'est pareil, c'est pas je gonfle le ventre, hein, de l'avant. C'est vraiment, tu engages ton diaphragme. Alors, ça peut peut-être craquer sur le sternum. Peut-être ici aussi au niveau des côtes. C'est normal, c'est du cartilage. Donc, hein, d'accord, ça craque des fois de temps en temps. Expire. Reste.
Continue. Tu peux fermer les yeux si tu souhaites. Inspire par le nez. Ressens, ou si tu as les bras le long du corps, tu ressens les côtes qui viennent se rapprocher des bras. Expire. Tu inspires par le nez. Et en expirant, tu le fais avec l'haleine. Tu sais que c'est de l'air chaud. Tu veux te réchauffer les doigts. Donc c'est un peu bruyant. C'est pas grave. Expire. Continue. Avec ton expiration, tu vas contracter davantage ton transverse. Tu sens qu'en fait, c'est une grosse ceinture qui vient compresser légèrement et gentiment, hein, bien sûr, tes viscères. Inspire. Expire. Encore. Ton transverse part de l'arrière, de ta colonne vertébrale, des côtes, d'accord, de ton bassin. Il fait tout le tour comme ça. Il fait tout le tour ici, il vient jusqu'au sternum et là, jusqu'en bas. Donc, tu vois, ce n'est pas un petit muscle. Bien, et tu sens que grâce à lui, grâce à sa contraction, tu te grandis, tu t'allonges. Reste. Ensemble, on va respirer à 100%. Tu inspires, tu es toujours debout, les genoux déverrouillés, tu allonges ta colonne vertébrale. Tu vas prendre une grande inspiration à 100%, d'accord? Et tu vas expirer à 100%, c'est-à-dire que sur l'expiration, tu dois tousser. Alors, t'inquiète pas si tout le monde t'entendra « Ah, il est malade !» Non, c'est normal, tu vas tousser. Ça veut dire que tu as vraiment expiré à fond. Il faut que tu vides tes poumons. Tu vois, tes poumons sont comme ça, il faut qu'ils viennent comme ça. D'accord? On y va? Allez. C'est parti. Inspire. Expire. Encore, 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 encore. Bien, tu vois? Et là, en fait, tu as ressenti, ça s'est contracté ici, c'est ton transverse. On y va, on le refait une fois. Inspire profondément. Expire encore, 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 encore. D'accord? C'est le transverse. Et tu vois vraiment, tu prends pleine conscience de ce muscle, de cette sangle abdominale. D'accord? Après, donc là, tu étais vraiment à 100%. Essaye de le faire toi-même des fois dans la journée. Tu vas voir, ça va t'aider justement déjà à te recentrer et à te calmer un petit peu peut-être si t'es énervé. Maintenant, on va le faire à 50%, la moitié de ce que tu viens de faire. D'accord? On y va ensemble. C'est pareil. Tu inspires profondément par le nez, tu expires avec l'haleine. 50%, j'inspire, j'expire, encore, 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 encore. Bien, tu ressens bien. Ton plancher pelvien, tu le contractes, tu remontes, d'accord, vers l'intérieur, ok. Messieurs, t'oublies pas, tu imagines et tu vises, tu fais pipi très très loin,
Oh là là, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je suis choquée. Bah non, enfin bon, les messieurs aussi, hein, ils sont aussi concernés par les fuites urinaires, les descentes d'organes aussi. Donc, ok. Donc, messieurs, c'est pareil. À présent, 30%. Donc, légère inspire, légère expire. C'est parti. Inspire, expire. Et tu restes. Tu sens que c'est contracté. C'est pas super serré, mais tu sens que c'est dynamique, c'est tonique. Ton centre est engagé. Bien, maintenant on peut commencer. Tu gardes ce centre qui est bien engagé. Tu n'as pas les côtes qui s'affaissent sur ton bassin. Tu te grandis. Bien. Et là, je vais mettre de profil, ne bouge pas. Tu vas enrouler le buste vers l'avant. Tu contractes. Redresse. Inspire. Déroule ta colonne vertébrale. Expire. Tu sens que ça vient tirer un petit peu dans ta colonne vertébrale. Inspire. Expire. Expire. Creuse. Puis là, tu vas rester. Expire. Tu vas relâcher les bras, tu amènes les épaules vers l'arrière. Tu sens, ça vient de tirer un petit peu sur la nuque. Tu inspires et tu vas plonger. Tu vas fléchir un tout petit peu les genoux et tu descends le buste vers le sol. Bien, détends bien les épaules, la tête. Inspire, tu plies les genoux et tu viens poser un genou au sol, puis l'autre. Tu viens t'allonger, donc en sirène, tu t'allonges sur le côté. Puis dos au sol. Grandis-toi. Tu viens à nouveau engager ton centre, les pieds plus ou moins éloignés des fessiers. Posture confortable pour les pieds. Hein. C'est pas trop là, c'est pas comme ça, c'est pas non plus. Non. Les pieds bien ancrés dans le sol, largeur de ton bassin. Donc si tu as oublié, tu serres les pieds. Et les genoux, tu ouvres pointe de pied et tu décolles les talons. Et là, tu as la largeur de ton bassin. Tu vas placer les mains sur les hanches. Tu inspires, tu bascules le bassin vers le sol. Tu sens les lombaires se poser. Et à l'expiration, tu sens que ton nombril vient monter vers le plafond. Alors, je ne t'ai pas dit de pousser ton ventre puisque ton centre est engagé. Non, tu sens que le dos se cambre un tout petit peu. Tu inspires, ton dos est posé au sol, tu as basculé le bassin, tes fessiers sont molles fesses, détendus. Expire, tu bascules et tu cambres un tout petit peu. C'est vraiment hein, le bassin. Inspire. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Hop. Tu inspires, ici, molles fesses, d'accord? C'est uniquement, il faut isoler le bassin. Et en fait, tu viens cambrer un tout petit peu le dos. Inspire. Tu sens ici l'étirement au niveau des lombaires. Et à l'expiration, tu viens sentir un léger étirement sur tes grands droits de l'abdomen et ton transverse. Encore une fois. Desserre les mâchoires. Garde les lèvres entrouvertes. Expire. Ton centre est toujours bien engagé. Tu vas relâcher. Maintenant, ça veut dire que tu as bien placé, tu as modifié légèrement et ton bassin est neutre, ton dos est neutre. Tu as une légère cambrure, moins prononcée qu'au démarrage, quand tu t'es installé au sol. On est d'accord? Tu te grandis, donc tu dois garder cette posture, ce ressenti tout de suite là maintenant. D'accord? Grâce au centre, donc grâce à ta sangle abdominale, ça va protéger ton bassin neutre. Tu inspires et là, tu vas ouvrir le genou vers l'extérieur et en expirant, tu ramènes tes hanches, ton bassin n'a pas bougé. À nouveau, inspire, expire. Petit mouvement. Quand tu ouvres ton genou droit vers l'extérieur, ta hanche gauche, ta fesse gauche ne décolle pas du sol. On est d'accord?
Expire. Même chose de l'autre. Contrôle, inspire, expire. Rendis-toi. Alors, tu vois, j'aime bien mettre mes mains sur mes hanches pour avoir un ressenti. Et tu peux tout à fait poser les bras le long du corps. Si tu pratiques déjà le pilates depuis un petit moment, tu as les bras le long du corps. Et tu reviens. Attention, les deux jambes ensemble. Les jambes vont tirer sur le bassin. Donc, tu risques de cambrer le dos. Tu serres davantage ton centre. Inspire. Tu vois, tes côtes sont à la même hauteur que tes hanches, que tes crêtes iliaques. Expire, tu refermes. Encore. Inspire. Expire. Serre bien ton centre. Et tu sens que déjà sur un petit mouvement comme ça, il y a beaucoup de choses qui travaillent. Si tu ne mets pas la bonne intention sur le mouvement ainsi que la respiration, il y en a qui vont dire « Ouf, je m'endors, ça ne sert à rien. » C'est parce qu'en fait, ils le font très mal, tout simplement. Ou peut-être que c'est une discipline qui n'est pas encore faite pour eux. Il y a ça aussi. Expirez. Oui, ça peut paraître très lent, hein, mais ça travaille. Quand on met l'intensité sur le centre, ça travaille. Gardez les genoux en ouverture vers l'extérieur. Bien. Serrez bien le centre pour ne pas amener le bassin vers le plafond. Non, il reste neutre. Tu vas garder les genoux vers l'extérieur et tendre les bras vers le plafond. Tes bras sont alignés avec tes épaules. Attention, des fois, tu as les mains au-dessus du visage. Hop, ils sont plutôt au niveau de ta poitrine. Tu vas monter les bras vers le plafond. Sans décoller le buste du sol. Tu ressens l'écartement, l'éloignement entre tes omoplates. Expire, tu les enfonces tout doucement dans le sol. Inspire, tu montes. Expire, ton centre, serre-moi ton centre. Inspire. Expire. Encore. Expire. Tu inspires et là, tu vas refermer les genoux. Bien. Tu gardes les épaules bien éloignées de tes oreilles. Tu viens attraper une jambe, puis l'autre. Tu allonges toujours ta colonne vertébrale. Tu n'écrases pas tes lombaires au sol. Et souffle, tu essaies de ramener doucement les genoux vers la poitrine. Tu inspires, tu relâches tout doucement. Les bras se tendent. Expire, tu ramènes. Inspire. Moi, j'aime bien placer mes mains sous les genoux. Ça évite d'écraser tes tendons, tes ligaments croisés au niveau de l'articulation. Si déjà tu as mal au genou, mets tes mains sous les genoux. Expire. Puis tu vas relâcher. Tu inspires, tu amènes les genoux sur le côté, tu dessines un cercle. Expire et tu ramènes. Inspire, expire. Encore une fois. Puis dans l'autre sens. Inspire, expire. Ne relâche pas le centre, hein. Tout à l'heure, on l'a mis en place. Le centre, il dure toute la séance et tu vas voir qu'après, dans ton quotidien, en fait, il sera là constamment avec toi. C'est-à-dire que du matin où tu vas te lever, tu vas mettre les pieds au sol, tu vas te redresser du lit, hop, ton centre, tu vas l'engager naturellement. Et tu vas avoir une belle posture, tu vas te grandir et tu n'auras jamais mal au dos, enfin beaucoup moins mal au dos. Ceux qui me connaissent, ils ne m'ont jamais vu malade ou blessé ou quoi que ce soit, hein. J'inspire et là, je vais poser, j'allonge une jambe, je ramène et l'autre. Inspire et souffle. Alors, tu ne poses pas la jambe au sol, inspire, souffle.
une dernière fois. Tu inspires, tu poses une jambe au sol, souffle, puis l'autre. Tu repositionnes ton bassin neutre, tu te grandis. Tu montes les bras vers le plafond. Tu poses doucement les omoplates au sol. Tu inspires, tu serres ton centre, le dos ne creuse pas, ton bassin reste neutre. Et en expirant, tu viens ramener les bras parallèles au sol. Tu tends les bras vers tes talons. Inspire, serre ton centre. Expire. Inspire. Maintiens bien la cage thoracique au sol. Expire. Encore. Expire. Une dernière fois, n'oublie pas, respecte tes épaules. Ne cherche pas absolument à aller trop loin derrière ou trop vite. Tu vas inspirer. Si tu vas bloquer les bras au-dessus de la tête, tu vas serrer au niveau de tes côtes flottantes, au niveau de ton estomac. D'accord ? Le plus haut carré de chocolat. Ouais, je te prends par les sentiments. Ouais, j'aime pas le sucré. Bon, bah, premier carré de saucisson, alors. Non, ça fait mieux chocolat, France. Sérieux, c'est mieux chocolat. Ah oui. Inspire. Et là, en expirant, tu vas contracter les côtes pour enrouler le bus. Tu inspires, tu freines la descente. Expire. Serre les côtes. Et tu sens que c'est là, ça vient te tirer le buste. Inspire, tu freines. Expire. Une dernière fois. Surtout ne tire pas avec ta nuque. Expire. Tu bloques. Inspire. Et là, tu vas en expirant amener les bras parallèles au sol et les mains parallèles au sol. Inspire et souffle. Tu vas redescendre. Freine. Très bien. Tu vas inspirer et à nouveau enrouler le buste sur l'expiration. Expire. Tu sens que c'est le haut de la tablette de chocolat qui a tiré ton buste et non la tête. Ton menton est décollé. Tu restes. Tu inspires. Tu vas monter une jambe chaise. Puis l'autre. Ton dos reste neutre. Ça n'a pas bougé. Ok ? Tu peux placer une main sous la tête. D'accord ? Les 100, on y va ensemble. Serre ton ventre. Contracte ton centre. Les 100, j'inspire, 2, 3, 4, 5 battements, expire, 2, 3, 4, 5. On y va ensemble? C'est parti? Non, je rigole, les bras ici, hein, bien sûr. On y va. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Si tu sens que ça tire sur la nuque, tu reposes doucement, mais tu continues le battement des bras. D'accord ? Mais tu me serres au niveau de l'estomac. Si tu es toujours en haut, reste bien concentré. Tu me serres les côtes. Encore trois. Serre, contracte. Inspire, tu relâches et tu ramènes doucement. Donc, tu as vu, hein, quand tu mets l'intention, ça change tout. Quand tu as les bonnes postures, les belles postures, ça change tout. Bien. Tu vas garder le buste au sol, les épaules bien éloignées des oreilles et tu vas garder ta jambe droite dans la main. Ta main gauche au-dessus du genou. Et ta main droite, au niveau du tibia, tu viens allonger sans la poser ta jambe gauche. On est d'accord ? Grandis-toi, tu as les deux épaules au sol, ton bassin est stable, il reste neutre. Tu inspires, tu changes et tu fais un rétro-pédalage. Expire. Expire. Souffle. Nous sommes sur le one leg stretch. Souffle.
Grandis-toi, serre ton centre. Tu dois avoir même un petit peu de mal à respirer. Expire. On est sur le premier niveau. Deuxième niveau, tu serres les côtes pour enrouler le buste. Ok? Souffle. Contracte le ventre, serre ton centre, ne relâche pas. Ton bassin est neutre. Encore une fois, souffle. Et souffle, relâche. Pose une jambe, puis l'autre. Récupère un instant, n'hésite pas. Hein. Si tu as ta petite gourde à côté de toi, hydrate-toi. Petite gorgée. Ou si tu as un verre d'eau. Hein. Et vous, évite les bouteilles en plastique. Le plastique, c'est dramatique. Ça, c'est fait. Bien. À présent, tu replaces les pieds, largeur de ton bassin, posture neutre, bassin neutre et centre bien engagé. Les bras le long du corps et les paumes de main au sol. Tu te grandis, le visage est face au plafond. Inspire et là, tout doucement, attention, sans bouger le bassin, tu vas déplier une jambe. Souffle. Inspire et souffle, tu reposes. Même chose de l'autre. Expire. Tu bloques, tu inspires, expire, repose. Expire. Essaye d'allonger la pointe des pieds. Voilà, d'aller chercher l'extension au maximum au niveau de tes muscles. Souffle. Expire toujours avec la laine. Tu as les lèvres entrouvertes. Expire. Desserre-moi tes dents. Je sens là, t'es crispé de la mâchoire. Desserre. Expire. Une dernière fois. Très bien. Souffle. Tu inspires et sur l'expiration, tu montes une jambe chaise. Ton bassin reste neutre. Serre bien ton centre. Attention pour la suite. Inspire et expire. Tu montes l'autre jambe chaise. Donc déjà, tu ressens hein, le transverse. C'est génial. Tu sens cette grande mâchoire ici qui maintient ton buste. Tu n'as pas le ventre qui pousse vers le plafond. Si c'est le cas, resserre davantage. Contracte, mais vers le sol. Tu vas garder les épaules au sol, mais tendre et monter les bras à l'extérieur des genoux. On est d'accord? Tes bras ne vont pas bouger. Ton centre ne bouge pas, il est toujours bien engagé. Attention à ton bassin neutre. Serre le centre. Tu vas allonger une jambe. Inspire. Ramène. Encore. Tu expires quand tu allonges la jambe. Là, tu inspires. Expire. Attention de ne pas descendre la jambe trop basse. Expire. Encore. Change. Serre ton centre. Concentre-toi. Inspire ici, statique. Expire quand tu déplies la jambe. Encore deux mouvements. Serre ton centre. Expire. Bien. Les bras. Les jambes sont immobiles. À présent, ce sont les bras. Tu inspires. Tu gardes l'éloignement entre tes épaules et tes oreilles. Les bras vers l'arrière. Petit cercle. Expire. Et tu bloques les mains à l'extérieur des genoux. Inspire. Serre le centre. Expire. Tu sens ton dos n'a strictement pas bougé au sol. Par contre, tu sens bien le transverse, son travail de stabilisateur. Attention, tu es prêt. Avec les bras, le mouvement des bras, tu vas inspirer, tu déplies
Les bras vers l'arrière. Expire, bloc chaise. Inspire. Expire. Fais attention à ne pas descendre les jambes trop basses. Expire. Encore trois mouvements. Expire. Expire. Serre ton centre. Réduis peut-être le mouvement si tu sens que c'est le dos qui prend la relève. Tu inspires et tu ramènes les genoux vers la poitrine. Petit mouvement de droite à gauche. Tu te grandis, tu vas poser une jambe au sol, puis l'autre. Tu vas venir placer le bout des pieds vers l'extérieur du tapis. Les bras à plat et tu vas faire basculer les jambes vers la droite. Garde tes épaules au sol et tourne la tête à gauche. Ça vient tirer dans la hanche, ça vient tirer tes psoas parce que les mouvements que nous venons d'enchaîner, bien souvent tu as les petits muscles ici, les fléchisseurs de la jambe, c'est souvent ta balle. D'accord? Donc là on vient détendre tout ça. Inspire et expire. Ramène doucement, même chose de l'autre. Grandis-toi. Expire, reviens. Très bien. Tu repositionnes les pieds, genoux, largeur, bassin. Ça va? Tu viens attraper une jambe, peu importe laquelle, celle en laquelle tu as plus confiance ou qui vient naturellement vers toi. Tu viens placer tes mains sous les genoux. Attention, roll up. Tu serres ton centre. D'accord? Serre bien ton centre. L'autre jambe, tu peux prendre appui en même temps dessus légèrement. Le roll-up, c'est un enroulement pour venir t'asseoir et un déroulement pour venir t'allonger. Donc là, on va faciliter un petit peu le redressement. Tu inspires, tu te grandis, serres ton centre et tu vas déplier la jambe. En même temps, tu enroules le buste et ta jambe vient t'aider à te redresser. Dos bien droit, inspire, pied et le genou largeur bassin. Et en expirant, tu contractes ta sangle abdominale. Et tu viens déposer doucement les vertèbres au sol. Fais glisser les mains le long des cuisses. Rattrape une jambe, peu importe laquelle. Tu inspires, tu déplies la jambe, tu serres ton centre. Il faut quand même que ce soit un travail de la sangle abdominale. D'accord? Inspire. Le dos est bien droit. Expire. Tu serres le bas du ventre pour dérouler doucement. Déposer tes lombaires, tes thoraciques. Tu te grandis, inspire, ton bassin est neutre, expire. Tu vois, l'autre jambe reste au sol, expire. Serre ton centre, attention, ton plancher pelvien, active bien. Inspire, attrape une jambe, et moi je te montre, sans l'aide des jambes, tu enroules, tu serres, 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 serres. Tu te grandis, inspire, aide-toi des jambes, expire. Prends le temps de ressentir chaque vertèbre se déposer au sol. Grandis, inspire, serre le centre, contracte les côtes. Ce que je ne veux pas voir surtout, c'est ici, hop, là. Là, j'ai lâché. Oui, continue. Et là, c'est pareil. Des fois, on va aller trop vite. Ah, tu fais sans les jambes. Je vais le faire. Je vais le faire aussi. Attends, je vais le faire. Voilà. Des fois, je vois ça aussi. Non. Non. Non, non. Attrape une jambe et tu déroules. Là, c'est pareil. Tu peux t'aider avec une jambe. Tu stabilises. Tu prends conscience que c'est ton grand droit, tes grands droits qui déroulent, qui viennent t'aider et tu redresses. Encore roll-up. Quatre roll-up. Inspire. Expire. Détends tes mains, tes doigts sous tes cuisses. Tu auras des griffes.
Inspire. Et là, tu peux par exemple attraper tes cuisses et t'aider. Souffle. Tu vois? Inspire. Encore 3 roll-up. Expire. Serre ton plancher pelvien. T'as vu, hein? L'œil noir. Inspire. Serre le centre. Garde bien le contrôle. Les jambes ne bougent pas. Les pieds ne se soulèvent pas. Pour le dernier, expire. Tu vas rester assis. Donc, tu te relèves. Inspire. Ouais, je sais, c'est vilain. Ouais, je sais. Et grandis-toi. Les mains sous les genoux. Inspire. Et tire les omoplates vers le sol. Très bien. Sur le côté, tu vas basculer. On va s'allonger et on va se placer ventre au sol. Hop. Sur le côté. Ventre au sol. Donc, si tu as mal au dos, d'accord, tu viens me placer un coussin sous le bassin, ok? Donc, hop, petit coussin sous le bassin. Les personnes qui sont naturellement cambrées, vous allez voir, ça va vous aider à porter le bassin neutre, votre dos neutre. Les mains, vous allez les positionner au niveau du regard. Les bras en chandelier. Donc, tu vois, je n'ai pas les bras le long du corps hein, ou à côté de ma bouche. Non, j'ai écarté les bras sur les côtés. Ne bouge pas. Je te montre. Donc, pas les mains ici. Tu vois, tu montes sur les côtés. Coudes alignés avec tes épaules. On est d'accord? Bien. Tu as entendu un hein? Oui, oui. Donc, les bras sur les côtés, tu m'écartes les doigts. Tu vas engager le centre, hop, tu serres ta sangle abdominale. Et là, tu as ressenti ton bassin à basculer. Ta l'os pubis qui s'est enfoncé légèrement dans le tapis. Tu as tes deux crêtes de hanches qui ne doivent pas bouger du sol. Tu vas inspirer et prendre légèrement appui sur les mains, sur la pulpe des doigts. Et en expirant, tu viens soulever légèrement le buste. Tu freines la descente. Tu inspires. Allonge ta colonne vertébrale. Expire. Prends appui légèrement. Serre-moi ton centre. Tu contrôles la montée. Tu contrôles la descente. Tu n'es pas en train de tasser tes lombaires. Non, tu allonges. Tu tires ta colonne vertébrale devant toi. Serre ton centre. Continue. À la place du nombril, tu as un creux. Les épaules vers l'arrière. Serre tes fessiers. Les jambes restent au sol pour le dernier. Expire. Et relâche. Bien placer ton front sur les mains. Les épaules sont toujours vers l'arrière. Si tu as mal aux épaules, tu gardes les bras sur les côtés comme c'était là et tu gardes le visage face au sol. Bien, je vais remonter un petit peu. Tu as vu comment je fais bien ma chenille hein? Les épaules vers l'arrière. Serre ton centre. Les hanches ne bougent pas. D'accord? Tu inspires et sur l'expiration, tu viens décoller la jambe droite un tout petit peu du sol. Inspire, expire, tu la reposes. La jambe, tu vois, va pas très haut. Encore 3 mouvements. Expire. Expire. Tu as les deux crêtes bien posées au sol. Une dernière fois. Reste concentré. 4 mouvements à gauche. Expire. Expire. Serre ton centre. Encore plus ton centre. Tu dois sentir quand même que tes lombaires travaillent. On est d'accord, on est dessus. Hein? On est sur un travail lombaire, sur tout le rachis, ta colonne vertébrale. Et là, tu vas bloquer haut la jambe gauche. Expire. Elle n'est pas très haute. Inspire et tu viens décoller la jambe droite. Expire.
Serre davantage le centre. Avec le bout des pieds, essaie de toucher le mur qui est derrière toi. Déplie bien tes genoux, tends bien tes jambes au maximum. Tu vas descendre légèrement la jambe droite sans la poser et tu alternes avec la jambe gauche. Inspire, expire. Expire, serre ton centre. Allonge ta colonne, expire. Donc là, on est sur le swimming. Expire. Encore. Le dernier. Expire et repose. Tu ramènes les mains à côté de la poitrine. Les coudes vers le plafond. Tu vas prendre appui sur les mains. Serre ton centre. Inspire. Expire. Tu décolles le buste pour un coquillage. Recule les mains. Viens poser les fessiers sur les talons. Inspire profondément, expire, tu viens te positionner sur les appuis mains et genoux. Comme tout à l'heure, je t'ai dit, tu peux placer un coussin sous les deux genoux, d'accord? On va faire le même swimming, sauf que là, nous étions juste au sol, là, on va être sur les appuis. Donc là, on va travailler en proprioception, ce qui va être très, très, très intéressant sur toute la posture de l'ensemble du corps. Les épaules vers l'arrière, les mains, tu vois, largeur à peu près du tapis, hein, c'est à peu près un peu plus large que tes épaules. Voilà. Tu écartes bien les doigts et tu prends appui sur la pulpe des doigts. Si tu as mal à tes poignets, tu te mets en appui sur tes premières phalanges. Par contre, le pouce à l'extérieur, pas dedans, hein, pas de hot dog, dehors. Et ici, tu vois, sur les premières phalanges. Les épaules vers l'arrière, tu serres ton centre. Ton bassin doit rester face au sol. Tu vas tendre la jambe droite au sol. Tu restes. Ressens bien. Le poids du corps est bien réparti sur les deux bras. Inspire. Sans bouger ton bassin, tu vas monter la jambe droite. Pointe de pied vers le mur derrière. Stabilise. Attention, le piège ici, c'est la hanche droite qui vient s'ouvrir vers le plafond. Ramène face au sol. Tu descends la jambe vers le sol. Inspire. Expire. Monte. Sans creuser le dos, sans toucher à ton bassin. Expire. Serre ton centre une dernière fois. Souffle. Tu bloques la jambe en élévation. Inspire et si tu peux, soit tu restes dans cette position. Option 2, tu viens tendre le bras gauche devant, l'épaule toujours vers l'arrière et tu viens monter le bras parallèle au sol. Serre ton centre. Garde ta hanche droite face au sol. Tout le monde est statique. Encore deux respirations. Serre le centre, attention ton bassin. Inspire, tu reposes la main gauche. Expire, tu ramènes et tu poses le genou. Coquillage. Soulage un petit peu les poignets, les doigts. Inspire, expire, reviens sur tes appuis. Épaules bien vers l'arrière, tiens bien tes omoplates vers tes fessiers. Sois sur les poings. Alors moi j'aime bien me mettre sur les poings. Serre le centre, tu allonges la jambe gauche. Tout de suite, ressens bien, stabilise bien ton bassin face au sol. Inspire et tu souffles et tu montes. Doucement, peut-être que celle-ci va aller moins haut. Si tu montes plus haut, tu sens que c'est plus ton bassin n'est plus du tout neutre, qu'au contraire ta hanche est en ouverture, descends un petit peu la jambe, c'est très bien, d'accord? Bien, 4 mouvements, tu descends, tu contrôles, expire, tu montes, serre davantage le centre, inspire,
Expire. Alors oui, ça travaille l'arrière, bien sûr. Donc l'arrière est en accord avec l'avant. Expire. Là, tu bloques. Expire. Soit tu restes sur cette option. Option 2, tu tends le bras droit. Inspire, essouffle, bloque, tu montes. Trois respirations. Expire. Attention ta hanche. Serre le centre. Dernière. Inspire. Essouffle. Relâche. Très, très bien. Bravo. Détends-toi. Reste un instant en coquillage. Alors, tu as vu, hein, tu ressens surtout. Ce n'est pas que tu as vu, c'est que tu ressens. Beaucoup de contrôle. Si tu vas trop vite, tu peux te faire très mal. Alors que là, tu gardes le contrôle, tu travailles en profondeur. Et la sangle abdominale, ton transverse, tes lombaires, tout ton rachis, tout ça bosse. C'est génial. Les genoux, les hanches, t'as vu? Tout. Les épaules. Ah oui, j'ai mal aux épaules. Bien sûr, les épaules. Quand même, on appuie sur tes mains, hein. Donc, qui est-ce qui tient tout? Bah, c'est quand même le bras et les épaules, hein. Bien, tu ramènes les mains à côté des genoux, tu inspires et tu déroules doucement. Et tu souffles. Tu inspires, tu viens te mettre en appui sur la pointe des pieds. Tu te redresses, chevalier, debout, expire. Et tu ramènes. Bien. Tu reviens face à moi. Les épaules vers l'arrière, grandis-toi, déverrouille les genoux. Concentration. Alors, si tu es face à moi, face à l'écran, essaye de voir un autre point devant toi, d'accord? Un point fixe. Moi, je vais bouger, je risque de te perturber et de ce fait, tu vas perdre la concentration et peut-être ton équilibre. Donc, soit tu regardes devant toi, moi, souvent, je regarde, tu vois, en diagonale vers le sol. Comme ça, si j'ai besoin de descendre, le buste, voilà, j'ai quand même un point que s'il est devant moi, ah ben, je suis obligée de faire mal au cervical, de soulever la tête. D'accord? Donc moi, bien souvent, je suis en diagonale vers le sol. Alors, je ne te boude pas, hein, t'inquiète pas. Le dos bien droit, genou déverrouillé. Bassin, hop, tu as vu, hein, tu bascules légèrement. Bassin neutre. En plus, ça fait ventre plat. Tu comprends maintenant pourquoi je le fais tout le temps à mon quotidien? Oui. Tu vas inspirer. Les pieds sont largeur bassin. Tu vas transférer ton poids du corps sur la jambe droite. Grandis-toi. Tu vas juste soulever le talon gauche. Reste concentré. Tu peux ouvrir les bras sur les côtés si besoin ou placer les mains au niveau des hanches. Serre le centre. Inspire et tu vas tendre la jambe sur le côté. Expire. Inspire. Expire. Flex. Pointe, inspire, expire. Grandis, expire. Tu vas rester flex. Inspire, tu ramènes la jambe, elle ne pose pas. Expire, monte. Inspire, expire. Tu gardes le pied vers moi. Inspire, serre ton centre. Une dernière fois, expire, tu bloques. Écarte les orteils. Oui. Tu flexes. Tu viens amener la pointe de pied vers le plafond. Là, tu as fait pivoter. Hop. Et là, un peu en charlot, tu ramènes la jambe et tu montes. Souffle. Souffle. Encore. Tu restes. Souffle, tu ramènes le pied face à moi. Pointe, cercle. 4, 3, 2. Dans l'autre sens, grandis-toi, serre ton centre. 4, 3, 2. Inspire et souffle, tu reviens et tu reposes. Relâche. Ça va? Tout de suite?
Tu viens croiser la jambe qui était sur le côté. Tu la croises devant. Inspire, tu enroules le buste vers le sol. Expire. Et tu viens fléchir le genou avant. Au genou gauche, normalement. Inspire. Tu redresses un tout petit peu le buste. Tu décroises, tu reposes largeur bassin et déroules le centre. Et redresse-toi. Très bien. Reste concentré. Bascule de l'autre côté. Le genou déverrouillé. Hein, tu n'as pas la jambe tendue, tu vois. Ça apporte, ça amortit mieux, ça répartit mieux. Écarte bien les orteils. Concentre-toi. Centre bien engagé. Les bras sur les côtés. Tu décolles ton talon. Inspire. Tu tends la jambe. Souffle. Et là, flex. Bien. Pointe, flex. Tu restes flex. Inspire, ramène. Expire, sans bouger le bassin. Inspire, contrôle, souffle. Ressens le travail de tes petits moyens fessiers. Sur le côté, souffle. Écarte tes orteils au sol. Souffle. Tu bloques. Tu fais pivoter. Ouverture de hanche. Ah, là, c'est l'équilibre. Hein. Allez, ramène. Et pour 4, souffle. 3. 2. Et 1. Tu reviens. Parallèle au sol. Pointe. Cercle. 4. 3. Serre ton sang, grandis-toi dans l'autre sens. 4, 3, 2, inspire et souffle, relâche. Ça va? Un petit sac kick pour finir debout, c'est sympa ça? Non, c'est pas sympa. Ah bon? Mince. Moi qui voulais te faire plaisir. Allez, enroule, souffle. Et le genou qui est devant. Inspire. Tu remontes un tout petit peu. Tu décroises, mais tu gardes le buste en bas. Tu reposes bien les pieds largeur bassin et tu descends à nouveau. Essaye de monter le coccyx vers le plafond. Monte bien ton coccyx vers le plafond. Tu plies les genoux, tu inspires. Expire. Encore. Expire. Tu ne pousses pas le centre, hein? Non. Souffle. C'est toujours légèrement engagé. 30%. Dernière. Tu inspires. Tu viens mettre les mains sur les cuisses, les épaules vers l'arrière. Et là, tu étires ta colonne vertébrale. Inspire, allonge. Tire les épaules vers le sol, vers l'arrière, pardon, vers tes fessiers. Et enroule le coccyx, l'envers. Souffle. Inspire. Souffle. Encore. Déroule bien ta colonne vertébrale. Ressens chaque vertèbre s'enrouler. Et ici, ressortir. Hop, tu déroules doucement, comme une petite patte feuilletée. Tu vas rester le buste droit. Tu descends les bras, tu prends appui sur les talons et tu vas te redresser. Serre le sang, grandis, monte les bras, attrape ta main droite et incline sur le côté. Souffle. Attrape ta main gauche et souffle. Reviens au centre, inspire, relâche, attrape les mains dans le dos et souffle. Serre le centre. Et tu vas éloigner doucement les bras des fessiers sans cambrer ton dos. Inspire et souffle, relâche. Tu ouvres les bras, tu resserres les omoplates et dos rond. Tu souffles, tu écartes les omoplates. Inspire. Souffle. Une dernière fois.
Tu montes vers le plafond. Tu inspires, inspires, inspires. Relâche les mains. Tu descends. Et là, avec le sang, tu déroules. Souffle. Inspire, grandis. Allonge. Souffle. Et la dernière, on y va. Inspire. Et souffle. Et redresse-toi bien droit. Relâche. Ressens l'ancrage des pieds au sol. Reste un instant dans cette position. Bien droit. Voilà. Et tu sens la chaleur, hein, toute cette vitalité dans ton corps qui circule. Tu as beaucoup d'énergie. Inspire profondément. Expire. Un peu plus, mets du râle dans ton expiration. Inspire. Encore une fois. Et relâche. Et voilà, tu as terminé. Bien. Et bien voilà, voilà. Encore une très très belle séance. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Bonjour, bonjour. Qui c'est qui est là? Bernadette. Coucou Bernadette. Anita aussi. Bien, ça va? Mathieu, qu'est-ce qu'il dit? Mathieu, qu'est-ce qu'il dit? Mathieu, Laurent, je confirme. Oui, le réveil musculaire, c'est pas grand-chose, hein, faites-le au lit. Ça fait beaucoup de bien. Eh bien, voilà. Je suis fière de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Il y a peut-être un petit mouvement un peu compliqué. Vous voyez, j'ai essayé de bien respecter toutes les options pour pas que vous soyez en difficulté. Et surtout sur le roll-up c'est très important, c'est l'un des mouvements phares, hein. C'est l'un des piliers, c'est l'un des fondamentaux au Pilates. Et là en fait c'est vraiment 100% sangle abdominale, le transverse, les obliques et le grand droit. C'est, vous pensez, hein, ici c'est comme, ah, tout à l'heure j'ai dit carré de chocolat, bah oui, en fait c'est lui, c'est en haut au niveau des côtes, c'est le fléchisseur. C'est lui, tu vois, c'est pas mon cou ici, parce que bien souvent, on voit les gens qui sont là. Ah, mais en fait, j'ai mal au cou quand je fais mes abdos. Je te confirme. Je comprends pourquoi. Là, tu vois aussi, hein, je le fais grossièrement, mais tu te rends compte comme ça. Là, en fait, c'est là. Hop. Hop. Et il y a toujours... Tu as deux jambes. On a la chance d'avoir deux jambes. On se serre des jambes. Elles sont là pour nous aider. Et en plus, comme elles sont musclées, elles sont vivantes, le poids de la jambe va emmener. Donc, toujours grâce à la jambe, tu viens serrer et tu viens te redresser. Pareil, tu attrapes ta jambe, tu la grippes comme Tarzan à sa liane, tu sais. Et puis là, tu lâches. Ou à l'escalade, c'est peut-être plus sympa que de te traiter de Tarzan. Là, je viens de me rendre compte. Tu as l'escalade et tu donnes du mou en fait. Et ton mou ici, c'est là. Ah, c'est pas que tu relâches, hein. Non, non. C'est que tu déroules ici ta sangle, tes grands droits. Voilà. Bien. J'arrête de parler. J'arrête de parler. C'est bon, j'arrête, j'ai fini. Je vous laisse la parole. Bien, Florence. Oui, ça y est. J'aurais essayé. C'était dur, Laurent. Non, c'était pas dur. Alors, c'est pas facile non plus. Je l'accorde. C'est pas facile non plus. Ça demande beaucoup de concentration. C'est ça le petit piège. Eh bien voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Un bon pilate. Oui, ça se dit. Hein. Oui, bon pilate à vous. À très vite. Allez. Salut.